Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Tout mon cœur est à toi, ô Jésus, mon roi. Oh, semblable à toi, fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, mon Seigneur. Tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Nous lisons le psaume 98 pour les Français. Nous lisons la parole de Dieu. Chantez à l'Éternel un cantique. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Amen. Sa droite et son bras puissant lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a relevé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté, de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques, avec les trompettes au son des cors, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qui l'entoure, que se contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Amen, amen, amen. Que la gloire du Seigneur subsiste jamais de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, réjouissez de ses œuvres. Terre et l'Éternel, à qui j'existerai, je célébrerai son nom, tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, se réjouissait de ses œuvres. Gloire du Seigneur subsiste à jamais, se réjouissait de ses œuvres.
terme au roi. Ton nom sera toujours dans notre cœur, sur nos lèvres, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans nos pensées, Seigneur, dans notre mémoire, dans le subconscient, mon bien-aimé Père Dieu, que tu nous possèdes tout entier, mon Seigneur Jésus. Nous te disons vraiment merci de t'être souvenu de nous, Père Saint-Dieu, des poussières de la terre de nous étions, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu nous as formés de là et tu as soufflé ton souffle. Seigneur, nous sommes maintenant vivants. C'est pour te célébrer, c'est pour te louer, c'est pour t'exalter que tu nous as créés, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment être là pour chanter le chant des Sion pour ta gloire, parce que tu es le vivant, tu es le tout-puissant, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Hors de toi, il ne pouvait jamais y avoir de créateur, mon roi. Mais c'est en toi et tu es le seul, mon bien-aimé Père Dieu, qui amène les choses à l'existence, mon roi, qui a créé les étoiles, bien-aimé Père Saint-Dieu, l'espace qui remplit la terre, mon bien-aimé Père Tubissant. Tu es le roi du ciel et de la terre, mon roi. Tu demeures le toile brillant du matin, Seigneur Jésus. Oh Dieu, la joie du ciel et de la terre, mon bien-aimé Père Tubissant, même en dessous de la terre, mon bien-aimé Père Tubissant. Oh Dieu, toute ta création célèbre et élève ton nom, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Dieu, parce que nous réalisons tous ensemble, bien-aimé Père Tubissant, même les arbres battent de main, mon bien-aimé Père Tubissant, les océans rugissent pour ta gloire à toi, bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te disons merci, merci pour ton œuvre, mon bien-aimé Père Tubissant, cette œuvre aussi parfaite, mon roi. Seigneur Jésus, ce que tu fais, ce que tu as fait est toujours parfait, Seigneur. Tu couronnes tout, bien-aimé Père Tubissant, par la perfection, mon roi. Tu veux aussi amener le Père, mon bien-aimé Père Tubissant, à la perfection, mon bien-aimé. Mes Seigneurs, oh que l'honneur, que la gloire, oh Père Tubissant, oh Dieu, que toute la puissance, oh bien-aimé Père Tubissant, te revienne, toi, le Dieu très haut, oh que ton nom merveilleux, que ton nom tout puissant, bien-aimé Père Saint-Dieu, que ton nom glorieux, bien-aimé Père Tubissant, que ton nom apaisant, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, soit aussi célébré et élevé, Père Tubissant, oh Dieu, louange et honneur à toi, Maître béni. Merci pour cette soirée, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et nous te disons merci encore, mon roi, parce que tu nous poses encore nos cœurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour le jour à venir, mon bien-aimé Père Dieu. Nous voulons vraiment nous préparer, parce que nous voulons te donner tout ce que tu veux, Seigneur Jésus. Oh Dieu, tout ce qui te revient de plein droit, mon bien-aimé Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment jouir de nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et prendre le contrôle, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de tout ce que nous sommes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tout ce que nous sommes ne vient que de toi. Loué soit ton Seigneur, mon roi, qu'il n'y ait pas de frein, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais laisse-nous encore te louer, Père Tubissant, et ouvrir encore nos cœurs de ça. Merci pour chaque cantique qui a été chanté. Merci aussi, Père Tubissant, Dieu, pour le psaume. Merci aussi pour l'adoration. Merci pour la reconnaissance de ton peuple, mon roi. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous te remercions, Père Saint-Dieu. Merci pour ce moment béni. Louange et honneur à toi. Nous pensons à tous nos frères et à toutes nos sœurs aussi, Père Saint-Dieu, et nos enfants, nos petits-enfants, partout où ils se trouvent, Seigneur Jésus. Et chaque frère, chaque sœur qui prend vraiment conscience de ne pas prendre à légère chaque moment qu'il a l'occasion de voir. C'est bien ta présence à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ces moments que tu nous donnes, mon bien-aimé Seigneur, nous voulons prendre cela à cœur, qu'il soit béni et protégé aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que le respect soit aussi dans son âme, dans son cœur, parce que tu es le Dieu qui mérite le respect et la crainte, mon bien-aimé Père Tubissant Dieu, l'adoration aussi parfaite, mon Seigneur Jésus. Sois béni, adoré encore, mon bien-aimé, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié et exalté encore ce matin, ce soir, pour la grandeur de son nom et pour toutes les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous nous retrouvons dans sa maison pour pouvoir aussi le célébrer et lui dire merci pour tout le bienfait qu'il a accordé, qu'il continue toujours à accorder aussi à son peuple. Son peuple que nous sommes, et aussi ceux-là qui sont aussi les nôtres, mais qui sont aussi dispersés aussi dans différents endroits, mais qui ont aussi le même désir et la même foi aussi que nous
en ce Dieu qui nous a accordé la grâce de pouvoir vraiment le connaître sur la terre des hommes. Tout ce qui est dans ce monde ici ne peut pas nous pousser à pouvoir ni chercher la face de Dieu, ni aimer Dieu. Ce monde dans lequel nous sommes et dans lequel nous vivons et que nous faisons donc partie, nous poussera toujours à être réellement conformes à lui parce qu'il nous met toujours à l'évidence de ce qu'il nous ramène toujours dans la réalité pour nous montrer qu'effectivement que nous sommes dans un monde réel et que nous sommes appelés à pouvoir nous soumettre effectivement dans ce monde réel dans lequel nous sommes parce que nous subissons tous effectivement les choses naturelles dans lesquelles nous évoluons également. Mais la grâce que Dieu nous a accordée, effectivement, c'est que, étant dans ce monde naturel, Dieu nous a élevés au-dessus de ce monde pour que nous puissions arriver à pouvoir avoir, effectivement, d'autres capacités. Et cette capacité, effectivement, c'est la grâce que Dieu nous a accordée, c'est la foi. Nous le remercions vraiment de tout notre cœur, de ce que... Il nous a donné quelque chose de tellement si puissant qui permet à un homme naturel de s'élever de la même condition dans laquelle tous les autres hommes s'y trouvent. Mais lui, il peut s'élever au-dessus de cela et défier même tous ses attraits de ce monde. Oui, Dieu est vraiment tout puissant. Ce qu'il peut faire dans l'homme, effectivement, ne peut pas être saisi par l'homme parce qu'il a plus que la capacité que l'imagination de l'homme peut même arriver à pouvoir penser. C'est ce que la Bible nous fait part, effectivement, en nous disant que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, qu'il est vraiment vivant. Puisqu'il est vivant, nous devons aussi être vivants. Et ce qu'il a dit, puisque j'y vis, vous vivrez également aussi. Nous ne sommes pas des gens qui sont morts, nous sommes de ceux-là qui sont vivants parce que nous servons et prions un Dieu vivant. Et puisque ce Dieu vit aussi, alors nous vivons également aussi. C'est pourquoi dans ce monde ici, nous ne cesserons de lui être reconnaissants parce que un jour, frères et sœurs, comme il y en a eu pour les autres qui nous ont précédés, ils ont vécu aussi dans leur temps, leur vie, et ils se voyaient vivre effectivement dans le temps, comme les autres humains aussi. Mais ils parlaient effectivement qu'un jour viendra, et à un certain moment aussi, ce jour aussi est venu, où chacun d'eux est parti aussi pour être dans la présence de Dieu. Nous aussi, ce jour viendra. Chaque génération qui nous a précédé, effectivement, a eu à pouvoir vivre son temps. Nous aussi, nous sommes une génération, en fait, qui dans cet âge où nous vivons, a aussi quelque chose de particulier à pouvoir accomplir. C'est ça la chose qui doit jamais quitter. Je parle bien aux fils et filles de Dieu. Il faut bien que cela soit bien compris. C'est pas à tout le monde parce que tout le monde n'est pas intéressé. Il n'y a qu'au Fils de Dieu que le Saint-Esprit réveille l'Esprit. C'est pour ça que les paroles qui vous sont dites sont des paroles qui sont importantes pour des fils et des filles de Dieu. Parce que quand le Seigneur parle, il cherche simplement à ce que tous ceux qui sont à lui puissent être réveillés. Qu'ils puissent prendre conscience qu'effectivement que les autres ne pourront pas voir. Il a dit, le monde ne me verra plus. Il a bien dit cela. Plus. Donc, ce qui veut dire que si nous sommes dans le monde avec la pensée du monde, on peut être assis là, on est aveugle là, on ne voit rien. Mon frère Jonas, viens ici, s'il te plaît. Viens vite, s'il te plaît. Je crois qu'il y a quelque chose qui est ici, si tu peux bien m'aider à pouvoir le prendre. C'est pour peut-être mon frère Zaché, je suppose, quelque chose. C'est pas pour moi. Merci. Donc, si nous sommes bien à lui, effectivement, aussi, il nous accorde, effectivement, la grâce que nos yeux, effectivement, puissent arriver à pouvoir s'ouvrir, ainsi que nos oreilles puissent aussi être aussi attentives également. C'est pour ça que il a dit, pas tout le monde, à ses disciples, effectivement, puisque ils lui ont donc posé la question, mais pourquoi
parles-tu en parabole? Et vous vous souvenez effectivement de la réponse qu'il leur a donnée. Il dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pas à eux, en fait. Heureux donc sont vos yeux, il parle des disciples, parce qu'ils voient ce que vous voyez. Mais les autres étaient aussi là, si aussi, voilà, un groupe aussi avec eux, mais ils le regardaient, ils ne voyaient pas. Mais les disciples pouvaient regarder et voir. Il dit, vos oreilles aussi, pour ce que vous entendez. Et les autres pouvaient entendre, effectivement. C'est pour ça que chaque fois qu'il parlait, effectivement, il ajoutait en disant que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Vous souvenez? Qu'il entende. Il n'a pas dit que c'est lui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit. Parce qu'à ce moment-là, il était encore sur la terre. C'est pour ça qu'il disait que c'est lui qui... Vous avez lu cela, non? Que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Entendre. Amen, amen. Mais quand amen. Il est monté, amen. Il est revenu, amen. Il a maintenant dit amen. Que c'est lui qui a des oreilles pour entendre, amen. Entendre ce que l'Esprit amen. Dit donc aux églises. Donc c'est important que les élus, les fils et les filles de Dieu, comprennent ces choses-là. Parce que nous sommes dans une période, dans un temps où Dieu travaille. Avec les élus. Parce que c'est pour ça que le Seigneur, notre Sauveur, c'est important, frères et sœurs. Je prie pour vous tous, frères et sœurs, pour que Dieu vous réveille. Afin que vous compreniez l'excellence, effectivement, de la grâce que Dieu nous a accordée, étant dans un monde comme celui-ci. C'est pour ça, dans le livre, c'est pour ça qu'il a dit ces paroles. Il avait vraiment raison. Et quand il dit une chose, c'est la vérité. Parce que nous le vivons. C'est comme je dis, c'est l'excellence de la grâce divine de Dieu que Dieu nous a accordée. Étant dans un monde, effectivement, où tout nous attire vraiment vers ce que le monde donne, l'intelligence du monde, la conscience du monde, les principes du monde, et tout ça qui sont tout à fait corrects et réels, effectivement, parce que ça fait partie de ce que nous vivons, que nous pouvons toucher, palpable, donc difficile de nier cela, effectivement. Mais Dieu vient te dire, toi, qui ne fais pas attention à ce que tu vois de tes yeux. Ce n'est pas ce que toi, tu vois de tes yeux qui est important. Parce que si nous considérons cela, effectivement, et c'est là que je dis, Dieu d'Abraham, tu es vraiment extraordinaire. C'est ce que les Saintes Écritures nous rappellent toujours à nous. Hein. Il dit, ce qui est extraordinaire, puis nous fait part, effectivement, il dit, mais regardez, Moïse, il était en Égypte, il pouvait devenir pharaon. Donc, toute la gloire que le monde pouvait arriver à pouvoir avoir était devant lui, en fait. Il en avait, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui lui rend témoignage. Mais la Bible nous fait savoir que lorsqu'il a regardé, effectivement, ce peuple dit, mais qui était dans l'opprobre, il considéra l'opprobre de Christ. Vous voulez lire, effectivement, je pense que c'est dans les livres de Hébreux, je pense que c'est cela aussi. Pour que nous comprenions qu'il y en a eu des hommes qui ont eu à pouvoir avoir un autre regard. Et quand on parle effectivement des yeux, c'est pour ça que nous sommes censés pouvoir être dans une position. Dans les livres des Hébreux, au chapitre 11, je pense que c'est cela que la Bible dit. Et pour vous dire ici, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est chapitre 11, verset 23. Il nous dit ceci. Hébreux 11, 23, il nous dit, c'est donc par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent point l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous entendez bien? Il a refusé. C'est que Pharaon, c'était le roi. C'est lui qui dominait, qui régnait, effectivement. Il était un dieu sur la terre, effectivement. C'est comme ça qu'il était considéré. Alors, être fils de la fille de Pharaon, ce sont les honneurs. Donc, c'est-à-dire que sur la terre, tous les hommes chercheraient ça.
Un homme normal, évidemment, puisque nous vivons dans ce monde, effectivement, tout un chacun de vous a besoin de pouvoir ressentir la gloire, l'appréciation, et en plus le confort, au niveau financier, maison et bien, tout homme est comme ça. Naturellement, l'homme est comme ça. Mais voilà qu'un homme comme étant avec les qualités aussi comme un homme comme nous autres, on lui offre ces choses-là, quelque chose d'autre se passe en lui. On dit qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et puis il continue. Il dit, aimant mieux, c'est comme c'est possible. Il dit, aimant mieux, être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alors il faut qu'il y ait quelque chose qui t'amène à pouvoir comprendre que ça, ce n'est pas la chose. Parce qu'il vivait avec les pharaons, il vivait avec la cité de ces gens-là. Pour eux, ce n'était pas un péché. Mais lui, là, il a regardé tous ses plaisirs qu'il prenait, tout ça, comme tout le monde, effectivement. Je veux. Et puis, il regardait, effectivement, parce que le peuple d'Israël, effectivement, c'était des méprisés, des esclaves. Personne ne peut vouloir être un esclave, un méprisé, comme aujourd'hui aussi, hein. Il n'y a personne parmi vous qui pourrait être insulté, d'esclaves, ceci et cela. Non, chacun de vous va revendiquer, il va se défier, effectivement. Et puis, on ne voulait même pas dans cette catégorie-là. Un homme qui pouvait, qui avait la possibilité de pouvoir avoir tout ce qui était nécessaire, puis même être, il était un prince, effectivement, tout ça. Donc, tout ça, il refuse, là. Pour prendre la place, il aimait, il trouvait plaisir d'être comme ceux-là qu'on maltraitait, méprisait, effectivement. Ils sont donc effectivement considérés comme un esclave. Vous savez, nous sommes loin, frère et sœur. Non, c'est la vérité, c'est ce qu'il dit. Nous sommes loin dans notre fort intérieur, dans notre foi qui est devenue une foi intellectuelle, une foi tellement si propre à nous, en fait. Et on ne veut pas être considéré comme ceci et cela, comme du fou, parce que quand le Saint-Esprit descend effectivement sur quelqu'un, il lance des cris comme un fou. Il se tourne effectivement par terre. Ah, c'est comme bien dire, ils ont peur, sinon les gens vont me considérer que je suis une folle ou que je suis toujours saisi parce qu'on veut toujours rester propre à s'éteindre comme ça. Mais quand Dieu descend, c'est différent. Non, mais c'est la vérité. On veut tellement être des gens qui ont un discours. Bien, ce n'est pas ça que Dieu, c'est pas ça que le Saint-Esprit fait. Après, bon, bref. Alors, maintenant, nous lisons effectivement d'ici. Verset 25, aimant mieux être maltraité. Qui peut accepter la maltraitance? Qui peut accepter la souffrance aujourd'hui à cause de ce qu'il a eu à pouvoir voir en rapport avec Dieu? Vous me direz, ah frère, mais d'abord quand la Bible nous fait savoir que femme, soyez soumise à vos maris, déjà ça. Ah, moi j'accepterai déjà rien que ça. Si j'habite ce verset-là, femme, soyez soumise à vos maris. Vous avez difficile de ne dire pas à votre mari. C'est chose parce que c'est du tac au tac toujours. Hein. On a beau vous dire ça, prenez la place qu'il faut. Non, c'est toujours du tac au tac parce que ça ne vous arrange pas. Mais si il me parle comme ça, c'est qu'il me trouve pour comme étant une loque. Mais accepte d'être une loque. Je n'ai pas entendu Amen. Alléluia. Mais il accepte d'être maltraité. Hein. Mais même mieux être maltraité. Quand il dit accepte d'être une loque, non, tu ne peux pas être une loque. Mais une loque, tu en as besoin quand même aussi, non? Quand tu aimes nettoyer, c'est pas vrai. C'est ça, nous ne sommes pas encore arrivés. Le Seigneur a accepté de descendre plus bas. Mais toi, tu veux toujours être honoré. Mais l'auteur de notre salut à nous. Vous avez déjà pensé, frère, il a été dénué. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas de vêtements. Le Dieu, vous ne vous rendez pas compte. Vous aimez les honneurs, vous sentez effectivement. C'est quand on va parler de Locke, il dit, moi, Locke, lui, il a accepté plus bas. Il dit, je suis un ver et non un homme. Lisez bien les saintes écritures, vous qui aimez tellement la gloire. Nous ne sommes pas encore arrivés. Vous voulez vivre avec... Mais lui, pour pouvoir avoir la gloire, il s'est dépouillé lui-même.
Il a accepté l'ignominie, l'opprobre même. C'est comme ça qu'il a été élevé. Son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Et toi, tu veux avoir quoi? C'est tant comme tu es resté là que tu vas dire, bon, je veux vivre la gloire de Dieu. Mais tu peux oublier, frère et sœur. Ah non, c'est pas un jeu que tu veux comme ça. On rentre et puis on va. Non, tu dois aussi passer par là. Ah ben oui. Ça, c'est nécessaire. Il faut que nous puissions comprendre cela, frères et sœurs, parce que c'est une gloire tellement glorieuse que pour pouvoir y avoir accès, il faut descendre plus bas que tout. C'est-à-dire que c'est ça. C'est pour ça que... Vous savez, ce que les Saintes Écritures nous disent sont tellement si importants pour nous, si seulement nous pouvions prêter attention. Il dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance de péché. Vous voyez, ce qui était considéré comme étant glorieux par les hommes, effectivement, eh bien, il a vu ça, que c'était vraiment le péché devant Dieu. Tous ces honneurs-là qu'on pouvait recevoir. Est-ce que vous me suivez? Ne dormez pas, hein? Regardez-moi souvent, et surtout pour que votre attention, si vous tournez, vous détournez les yeux quelque part, regardez-moi, même si vous me connaissez, mais regardez-moi quand même. Ça, c'est votre attention qui est attirée, en fait. Alors, tout ce que les mondes et tout ça, ce que vous allez faire, ceci à gauche et à droite, comme d'ici quelques temps, si, tout ça. C'est en fait pour eux, pour lui, parce que dans ce monde-là, c'est le monde des fêtes, des jouissances, tout ça, ainsi de suite, effectivement. Regardez les pharaons, comment ils étaient, effectivement. Et il dit, pour lui, c'était en fait le péché, en fait. Et c'était vrai. Et il a considéré le pauvre, il voulait même être maltraité avec le peuple de Dieu. Vous savez pourquoi ce peuple était dans cette condition-là? Savez-vous pourquoi quand les enfants étaient dans cette condition-là? C'était la volonté de Dieu. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est ça que c'est ça, en fait, qui s'est manifesté dans Moïse, une attraction à l'intérieur pour être comme cela. Parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'ils soient dans cette condition-là. Parce qu'ils savaient pour quelle raison. Vous vous souvenez là? Vous vous souvenez? Il avait dit, jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens arrive donc à son... Dieu ne pouvait pas mélanger son peuple avec le païen. Il a donc mis son peuple à part. Quand ce peuple est mis à part, c'est normal que le diable cherche à pouvoir le rendre dans les conditions difficiles pour qu'il abandonne. C'est Dieu alors. Est-ce que vous comprenez? S'il était tout le temps dans les jouissances, il ne pouvait jamais penser à son Dieu. Pour ça, vous devez savoir ce que Dieu fait dans votre vie. Pourquoi Dieu permet autant de choses dans votre vie. Aussi longtemps que vous l'aimez, vous les servez. Ne craignez point. Les épreuves sont plus précieuses pour nous que l'eau périssable. Ne vous posez pas beaucoup de questions. Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Toi, continue à servir ton Dieu. C'est un peuple qui était dans cette condition-là, qui est rentré dans l'esclavage avec la promesse que je le ferai sortir. C'était merveilleux parce que l'Égypte avait des hommes comme Dieu, mais Israël avait Dieu comme Dieu. Amen. C'est ça. Donc, quand on est un élu, il y a quelque chose qui vous attire. Moïse sentait que ce peuple-là, il a quelque chose. Malgré qu'il est comme ça, non. Il a quelque chose de tellement si important que l'Égypte même en soi. Et il n'avait pas tort. Ben, nous continuons vite parce que le temps file vite aussi. Il dit, regardez très bien, verset 26. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de qui
Vous vous rendez compte? Or en Égypte, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait des rubis, parce qu'il était donc là avec la famille royale. L'or et les rubis et l'argent, la gloire, les vêtements, ça c'est de royaux et tout ça, ils pouvaient bien s'habiller sans problème. Et ces gens-là qui étaient des esclaves, effectivement, aussi, méprisés, ils n'avaient même pas beaucoup de temps pour pouvoir aller s'habiller, même pour avoir tout ce qu'on appelle des bijoux et s'asseoir, s'endormir, et puis les grappes, les raisins qui tombent dans la bouche, ils n'en avaient pas l'occasion. Mais cet homme-là qui pouvait être dans ces conditions, regardez, effectivement, il regardait ce peuple-là qui était dans la souffrance. On nous dit qu'il regarda l'opprobre. Je pense que vous comprenez ce que ça veut dire l'opprobre, en fait. Parce que nous avons souvent honte quand nous sommes dans les milieux avec des gens qui ont des standings élevés. De pouvoir clamer que nous sommes des chrétiens. Que nous sommes des croyants. Je ne peux pas le faire parce que je suis un fils de Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Chacun de nous doit être sincère. Et si on est vraiment puissamment des croyants, quand on est dehors, on va un peu être un peu par rapport semblable. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Il te bénisse parce qu'ils discutent. Et c'est comme ça qu'il bénit aussi. Dehors, vous voulez ressembler à eux pour ne pas qu'on voit qu'il y a un peu de différence. Pourquoi je dois ressembler à eux? Je suis un chrétien, je vis chrétien. Tu ne m'aimes pas en tant que chrétien, gloire à Dieu. Moi, je ne peux pas te détester. Mais ça ne me dérange pas que tu me traites de tous les noms à cause de son nom. Je ne dois pas voir honte de qui je suis. Partout où je passe, il faut qu'ils sentent le parfum de Christ. Et Dieu nous aide. Il considérera l'opprobre de Christ. Parce que quand tu acceptes Christ, tu veux vraiment être comme cela au travail. On te méprisera parce que tu ne mets pas des pantalons serrés, femme, comme... Il voudrait bien, tu ne mettrais pas de blouse avec poitrine un peu ouverte, tu ne mettrais pas des crayons à gauche et à droite, et tu ne ferais pas comme ça avec un peu de rouge comme ici pour que les dessins des visages deviennent comme ceci. Non, tu ne le fais pas parce que tu veux rester tout à fait naturel. Pourquoi? Mais c'est à cause de l'amour que j'ai pour la parole de Dieu. Madame, mais dans notre entreprise ici, vous savez, on met ceci, on met cela, effectivement. Si vous trouvez que je ne suis pas convenable, alors nous rompons le contrat. Oh Seigneur, je réfléchis un peu parce que tu m'as donné ce travail. Bon, quand même, je peux faire quand même pour puisqu'il y a le travail est dur. Mais vous avez remarqué, je vais vous informer. Les Arabes, ils se sont battus pour garder leur foulard. Vous, que Dieu ait pitié. Eh oui. Quand la Bible dit des choses, il dit, nous sommes chrétiens, on est chrétiens seulement ici. Mais à l'extérieur, on va un peu faire un peu comme eux. Comme il doit se faire, effectivement, se ressembler un tout petit peu comme les autres. Pourquoi vous ne montrez pas votre marque? De quelle valeur vous êtes, de quelle qualité vous êtes. C'est comme ça qu'on vous respectera. Même si vous insultez, effectivement. Vous savez, il y a des témoignages de vos soeurs et vos frères qui ont vraiment pris une position, peu importe ce qu'ils pouvaient être. Et les gens les ont respectés. Vous n'avez pas cherché un peu pour que le monde vous accepte. On n'en a pas besoin que le monde. Moi, je n'ai pas besoin que le monde m'accepte. Nous devons sortir du monde, effectivement, aussi, c'est ça. Dès que je me tiens devant. Et puis, il faut défendre l'évangile, pas aller chercher comme les gens vous disent, oui, moi, on m'a dit ceci, et puis maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Je donne un exemple. Non, toi, tu défends l'évangile. Le docteur vous parle comme ça, oui, vous savez, les chrétiens, les croyants, les gens, ils disent, il m'a dit, non, monsieur, moi, je suis croyant.
Je connais le Seigneur, j'aime le Seigneur. Si vous estimez que ça ne va pas, ne parlez pas du mal de mon Seigneur en présence de moi. S'il faut même que vous ne puissiez même pas plus vous examiner, je suis d'accord. Voici des hommes et des femmes au caractère. Pas ceux-là qui rentrent en conversation, ils disent, mon docteur, parce que bon, on m'a dit qu'à l'église, on m'a dit ceci, qu'est-ce que vous pensez? Vous n'aimez pas Dieu? Parce que les docteurs, ou bien, ne va pas vous dire, va pas vous encourager à dire, mais croyez à la parole de Dieu. Non. Il va dire, mais tu vas croire, c'est balivernes. Ah, bon, c'est, ah oui, mais c'est, donc vous pensez que ceci, cela, c'est que tu n'es pas un croyant. Que Dieu nous aide. Il faut que le fils et les filles de Dieu se réveillent pour pouvoir tenir cette bannière, effectivement. Pourquoi as-tu honte de Dieu? Si tous ces gens qui vivent des saletés, qui se le mettent devant, que t'avais des choses pour démontrer, même tout ce qu'ils ne peuvent même pas montrer, et ils les font en public, ils sont encore contents de cela, et toi, tu dois avoir honte de ces dieux qui t'aiment, qui t'a sauvé, qui t'a gardé, qui te garde encore aujourd'hui, tu auras honte de lui. Pour quel mal t'a-t-il fait? Nous devons être de ceux-là qui sont forts aujourd'hui, qui se tiennent debout, qu'on nous critique, qu'on nous vête, même tout ce qu'on peut faire de nous à cause de Christ. Nous l'acceptons. Parce que nous savons que vous pouvez faire quelque chose avec ceci, mais mon âme, vous ne pouvez pas toucher. Ce qui est important pour toi et moi, c'est l'âme. Parce que ceci, il peut dire, on va te lier, on va te torturer, pas de problème, de toute façon, il ira à la poussière. Mais mon âme, vous ne pouvez pas le toucher. Vous comprenez cela? Ah bon, nous continuons rapidement ici. Alors, il dit, oui, arrêtez. Il dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Toi et moi aussi, aujourd'hui, nous devons regarder l'opprobre de Christ comme étant une richesse plus grande que tout ce que le monde peut nous donner. Donc, je ne chercherai pas à pouvoir faire un compromis pour acquérir quelque chose dans ce monde. Non, frère, ne faites pas ça. Parce que, maison, tout ce que vous désirez, la parole de Dieu vous le donne. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire un compromis pour pouvoir avoir un travail quelque part, d'une certaine manière ou d'une autre. On ne veut pas de toi dans le travail à cause de la parole de Dieu. Dis merci. Merci, Seigneur, de ce que je peux aussi prendre part aussi comme mes prédécesseurs. C'est là que je réalise aussi que j'ai quelque chose en moi qui est de toi. Si sur la terre on peut me détester alors que je n'ai rien fait, c'est que c'est toi qu'on déteste et toi tu es en moi. Ça c'est la chose qui doit t'encourager. Au lieu de rester là pour te perdre, commencer à pouvoir pleurer, ça ne sert à rien. Tu dois reconnaître qu'effectivement que Christ est à moi. Nous pouvons le lire dans Jean chapitre 15, je peux le lire tout à l'heure, en fait, on va les terminer, vous comprendrez cela. C'est sûr et certain. Nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde n'est pas chez nous. Nous avons un chez nous. Et le chez nous que nous avons m'exige de m'habiller comme, bien sûr, parce que j'ai un père au-delà. Et mon père est un roi. Bien sûr. Oui, 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 oui. Nous sommes des princes et des princesses. Ce n'est pas une formule. Hein. C'est la vérité. On nous a seulement quittés chez nous. Nous sommes venus ici. Vous savez pourquoi nous sommes venus? Pour rendre témoignage aux gens de ce monde que nous ne sommes pas d'ici. Nous avons notre cité. Il est honorable. Nous avons un père. Et sur la terre, nous témoignons qu'il est là, qu'il vit parce que nous sommes nés de lui. C'est comme ça qu'effectivement qu'on doit comprendre toutes ces choses. Ils sont nécessaires, effectivement, que, et quand nous levons, nous savons qui nous sommes. Il dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est. Voilà, c'est ça. La foi, mon frère et ma soeur. Et te donne une autre façon, donc tu as un autre regard de choses. Ça te transporte. Ce qui veut dire que quand tu as la foi, personne ne peut te vaincre. C'est pour ça que la Bible dit, c'est notre foi qui triomphe de ce monde. Toi, mon frère, toi, ma soeur,
Peu importe le matin, le midi, la journée, le soir, ce qui peut t'arriver, si tu gardes la foi, rien ne pourra t'arriver. Parce que c'est la victoire que tu as. Mais pour cela, puis nous allons prier effectivement aussi. Regardez très bien, c'est dans Jean, je pense que c'est cela. Hein. Jean, chapitre 5. C'est ça. Hein. Voilà. Jean, chapitre 5. Voilà. Nous pouvons lire avec vous. Et puis, nous pouvons maintenant prier. Nous pouvons lire cela, puis nous allons nous lever pour prier. Hein? Ouais, Dieu est bon. Alors, dans 1 Jean chapitre 5, verset 1. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Nous allons lire verset 1. Il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ, lui-là, il est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né donc de lui. Vous connaissez celui qui l'a engendré. N'est-ce pas? Celui qui aime celui qui l'a engendré. C'est pas vrai. Il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons. Voilà. Et qui est Dieu au commencement était. Voilà. La parole était avec Dieu et la parole était. Donc quand nous avons la parole en nous, donc nous avons l'amour. Vous vous souvenez quand même? Et quand nous avons la parole à nous, nous avons l'amour de Dieu, nous avons Dieu à nous, c'est que nous avons vraiment cet amour à l'endroit de nos frères. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. La parole de Dieu, dans la grande majorité, se résume à toujours quelque chose. C'est à cela qu'effectivement, que on reconnaît vraiment qui est fils de Dieu et qui est fils du malin, qui est la sémence de Dieu et qui est la sémence de discorde, de malin, effectivement. Ça, c'est la chose que tout un chacun de nous doit arriver à pouvoir avoir, afin, pour voir effectivement de quelle sémence il s'agit vraiment au-dedans de moi, en fait. Il nous dit dans les Saintes Écritures, ce qui était au commencement, ce que nous avons donc entendu, ce que nous avons donc aussi contemplé, hein, que nous avons donc touché de nos mains, c'est-à-dire, hein, concernant donc la parole de vie. Nous vous l'annonçons aussi à vous, afin que vous et nous, nous soyons en communion. Dans notre communion avec Dieu, avec son Fils. Qu'est-ce qui était donc au commencement? Le commencement était la parole. Lorsque nous retournons au commencement, nous constatons quelque chose. C'est ce que Dieu a eu à pouvoir dire, donc la parole.
Vous entendez? Vous savez cela, non? Chapitre 1, 2, 3. Vous savez ce qui s'est passé dans le chapitre 3? Et puis, nous allons vers le chapitre 4. C'est là que nous réalisons quelque chose. D'abord, dans les chapitres 1, 2, 3, 2, d'abord, on remarque bien qu'il s'agissait en fait de l'obéissance, la foi, la confiance dans la parole. Donc tout tournait autour de la parole. Il a dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Il s'agissait de pouvoir croire et de garder la parole, de ne pas manger. La parole. Et puis on a vu, chapitre 3, ce qui s'est passé. Le combat autour de garder la parole. C'est pour ça que l'ennemi est venu, pour pouvoir faire raisonner. Dieu a-t-il réellement dit? Parce qu'il devait garder la parole, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur Dorothée. Dieu a-t-il réellement dit? Ça tourne toujours. On secoue toujours pour que tu ne puisses pas garder cette parole, que tu rentres dans le raisonnement à propos de la parole, que tu abandonnes cela pour que tu puisses désobéir. Et finalement, on se trouve que on a secoué et puis perdu en fait. On a eu à pouvoir arriver à pouvoir désobéir. Donc, le bouclier que tu avais, parce que la parole de Dieu est un bouclier qui te garde et qui te protège dans tous les domaines. C'est pour ça que je vous disais, pardonnez-moi le temps file, je vous disais quand je vous ai posé, je dis, mais écoutez, frère, quand on vous parle que vous êtes un l'offre dans vos mondes, je dis, mais la Bible te dit, toi, femme, soyez soumise à vos maris. Vous dites, ah, mais je ne peux pas me laisser faire, effectivement, aussi. Mais je vous l'ai dit l'autre fois ici. Il dit, cette parole-là qui te dit, toi, de te soumettre, toi, tu la mets en pratique. Si lui monte, c'est un bouclier pour toi. Dieu va traiter avec lui et il va voir des conséquences. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Tout homme qui m'asseure va te maltraiter à cause de la parole de Dieu que toi tu mets en pratique, en restant toujours soumise à ton mari, en la respectant et que lui te fait voir n'importe quoi, vous m'écoutez bien? Il va le payer. Mais toi, c'est Dieu que tu sers, que tu as sa parole, effectivement, il te protégera. Il pourvoira, si c'est un monsieur qui est méchant, Dieu fera en sorte. Si, bon, bref, c'est pas facile de pas rentrer là-dedans aussi parce que sans le cœur de dame et tout ça, ainsi de suite. Dieu est capable de beaucoup. Je l'ai dit ici. Ne le mettez pas comme un copain, frère et sœur. Et tout celui qui joue avec la parole de Dieu, je l'ai toujours dit ici, vous pouvez l'enregistrer et c'est 100% vrai, vous le payerez. Avec Dieu, vous le payerez, frère. Il va sembler comme si, vous regardez, il ne fait absolument rien. Il est particulier, c'est Dieu. Il a une sagesse, une façon de faire particulière. Dieu te bénisse, ma sœur. Vous vous souvenez, comme je vous l'ai dit ici, Amalek, ce qu'il avait fait à Israël, il semblait que les dieux d'Israël ne voyaient pas, qu'ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas faire quelque chose, effectivement. Dieu n'a rien fait, il a regardé simplement. Un temps est arrivé, je me souviens. Et pourtant, c'était passé depuis très longtemps. Parce qu'il a pardonné, il a effacé. Non, messieurs, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël
en ce temps-là. Maintenant, il doit payer. Donc, bref. Nous devons avoir la crainte, le respect. Toi, accroche-toi à la parole de Dieu. Que ça t'écoute, reste toujours à la parole. Ne vends jamais la parole pour quelque chose de rien du tout. C'est-à-dire que ne vends jamais ton droit d'aînesse. Pour une gloire quelconque ou quelque chose que le monde ou les hommes pourront bien te donner, en fait. Ne fais jamais des compromis. Tu meurs toujours. C'est une récompense extraordinaire. Aujourd'hui, je vais dire, puis on va terminer. Je pense à mon frère Victor. Que Dieu bénisse notre précieux frère Victor. Vous ne savez pas ce qu'il fait. Je vais vous le dire. Lorsqu'on a commencé les travaux là-bas en haut, vous savez comment c'est passé, évidemment, ici. Il fallait qu'on mette la peinture, on a commencé avec la peinture. Puis je suis venu, je voyais que le travail n'avançait pas. Bon, les frères faisaient des efforts, effectivement, ici. Mais ça me travaillait, parce que, bon, je pars toujours là quand il n'y a plus personne. Je pars avec mon frère Jonas qui me fait monter là-bas. Je regarde, je trouve ça me travaillait encore. Je suis sorti, je suis rentré chez moi, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit à ma fille, mon bébé là-bas, je ne sais pas si elle se souvient peut-être. J'ai dit, il y a quelque chose que je dois faire ici. Je vais venir à une certaine heure où il n'y a personne. Peut-être très tôt matin ou vraiment tard, je vais monter là-bas avec les pots de peinture, je vais peindre moi-même. Oui, j'ai dit, parce que je ne peux pas, c'est pas possible, ça ne peut pas, parce que ça n'avance pas, puis je fais des efforts, mais c'est pas, mais je vais, parce que au moment où il n'y a personne d'être à 5 heures, je ne sais rien, mais je regardais quand il n'y a personne, je prends moi-même le, ici, je roule, parce que je l'ai déjà fait. Donc, j'ai travaillé aussi à l'époque, ouais, bien sûr. Je vais le faire ainsi de suite. Je suis rentré donc à la maison, et je me préparais donc le lendemain à pouvoir venir très tôt, vraiment ici, le temps de pouvoir peindre, et puis rester prier, et puis bon, ça là. Quand j'ai dit ça, je suis rentré, donc je dormais, et puis le matin, très tôt, au moment où j'allais me pâter pour pouvoir partir, j'entends tout de suite sur mon téléphone. Je regarde, c'est frère Victor qui me dit, ah bonjour pasteur, je voulais vous dire que je suis l'homme qui, quand vous voulez me dire quelque chose, je le ferai pour la peinture à l'assemblée, pour les travaux, pour ceci et pour cela. Même aujourd'hui, je suis disposé, dites-moi seulement, je veux aller, je veux faire, je travaillerai bien parce que j'ai fait déjà le transport de peinture. J'ai dit, pardon. J'ai dit, Dieu d'Abraham. Non, j'ai dit, une personne qui s'élève comme ça, très tôt matin, au moment où j'ai l'impression, qui s'élève pour m'envoyer un message, il ne savait même pas ce que j'avais dit. Depuis ces jours-là, la toilette là-bas, les portes que vous voyez ici, là, ainsi de suite, même votre plafond, si vous n'avez pas fait attention, il a poncé, il a enlevé tout ça, les tapis, il a mis les plastiques, effectivement, il a poncé, il travaille, il me dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a encore, je suis ton homme maintenant, tout ce que tu me diras, je vais le faire. Pour les travaux ici, les portes, j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir donné. Non. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui, évidemment. Il me dit, mais pasteur, vous n'avez rien à pouvoir faire. J'ai dit, je suis heureux, je passe du temps à l'assemblée, à l'église, je suis content. Et ce matin, il m'appelle, parce qu'hier, toute la semaine ici, il est toujours là. Vous ne le voyez pas, mais il est toujours là à travailler. Et ce matin, il m'appelle, il me dit, ah, pasteur, j'ai vraiment une bonne nouvelle que je dois vous dire, effectivement, si il dit, vous savez, vous avez prêché quand même, vous avez dit que tout ce que vous faites pour les seigneurs vous récompensera. Il dit, vous savez quoi? Je dis, quoi? Il dit, ah, vous savez comment il est. Il est particulier, le frère. Il dit, vous savez quoi? Pasteur, alléluia. Il dit, mais tous les travaux que j'ai fait ici à l'Assemblée, Dieu m'a payé. Donc, y compris les heures de travail que j'ai fait là, j'ai reçu un montant, Dieu m'a payé lui-même. Il dit, Dieu est vraiment bon. Non, le Seigneur, il prend soin de ici. C'est sa maison, mon frère. Que
Dieu te bénisse. Nous continuons les lectures, effectivement, ici, et puis nous allons nous arrêter pour lui prier. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Alors, il dit, nous connaissons, verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas donc pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau, le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu un témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu, le fait menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ces témoignages, ce que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous tenons devant ton trône de grâce encore ce soir pour te dire merci. Merci vraiment pour ce temps et le moment que tu nous permets de pouvoir réellement aussi passer dans ta maison pour pouvoir réellement te louer, te servir encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et aussi, surtout, pour aussi entendre ta parole, mon roi. Tu nous as vraiment touché encore le cœur encore aujourd'hui en nous ramenant, Père Saint-Dieu, afin que nous puissions prendre conscience de ce que nous sommes et aussi de l'amour que nous sommes censés pouvoir avoir en toi et de ne point avoir honte de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et de surtout proclamer qui tu es, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans chaque endroit. Dans chaque lieu où nous pouvons nous trouver, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous accorder la grâce de pouvoir avoir ce sens, mon bien-aimé Père Tibissant, que l'être humain ne peut pas avoir, mais seulement tes fils et tes filles, mon bien-aimé Père Tibissant, parce que la foi est un don qui vient de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et par lequel, Père Tibissant, nous pouvons vraiment voir les choses invisibles, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, avec les yeux de la foi. Accorde la grâce à mon frère, accorde la grâce à ma soeur de sortir de cet train-train des choses naturelles, Père Tibissant, pour avoir le regard fixé toujours sur toi et qu'en réalisant que tout ce que tu permets dans notre marche, dans notre vie, Seigneur Père Dieu, c'est pour toujours, pour notre bien, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu as dit que vous aurez des tribulations, mais ne craignez point, car vraiment j'ai vaincu le monde, mon roi. Garde mes frères, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs aussi, bien-aimé Père Tibissant, nos enfants, nos petits-enfants, mon bien-aimé Père Dieu, tous ceux que tu nous as réellement aussi accordé la grâce de pouvoir avoir, Père Saint-Dieu, qui sont vraiment aussi à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et c'est vrai, nous sommes à toi. Nous réalisons combien nous avons besoin de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ta sémence à toi reste accrochée à ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te disons merci, mon bien-aimé Père Dieu. Nous te glorifions encore davantage, mon roi. Et c'est toi qui permets que nous puissions arriver à pouvoir vraiment avoir la réjouissance de pouvoir vraiment entendre ta parole à toi, parce que nous la recevons toujours avec beaucoup de reconnaissance, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, même si elle est dure, même si elle frappe, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Au plus profond, nous reconnaissons que c'est la chose qu'il nous faut, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons pas nous égarer, bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment garder ce que tu nous as donné, Père. Nos yeux sont constamment fixés sur toi et non pas sur les vanités de ce monde, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et non pas sur ce que les hommes de la terre nous demandent de pouvoir faire, mais vraiment ce que toi, ton esprit à toi nous demande, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, à faire et aussi à croire aussi, Père Saint-Dieu, nous a donné un héritage merveilleux. Il s'agit de ta parole à toi que tu nous as donné, Père Saint-Dieu. C'est vraiment notre héritage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, notre bonheur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, notre boussole, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh Dieu, c'est celui-là qui règle même nos actions et que nous pensons à ta parole, à toi, nous savons où nous en sommes. Seigneur, nous sommes heureux d'être un peuple qui est gardé par toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Béni soit ton Saint-Nom.
Glorifie ton Saint-Nom, Père. Je prie pour ma soeur Rebecca Bogie, Père Saint-Dieu, que tu la bénisses richement, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Que tu la compenses encore davantage, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Que le reçoive encore au centuple de ce qu'elle fait, Seigneur Jésus. Que ta bénédiction lui soit accordée, que ton soutien lui soit accordé, bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu es le roi, tu es le maître, mon roi. Tu es le donateur, Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la victoire. Garde ton peuple partout où il se trouve, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Soutiens-moi et fortifie encore mon roi. Tu as entendu les requêtes, bénémoine, Père Saint-Dieu, aussi les reconnaissances de notre bénémoine frère Jean-Jacques Mastakipin pour l'avoir guéri, bénémoine, Père Saint-Dieu. Soutiens, fortifie-les et toute sa maison entière, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu es réellement Dieu, mon roi. Sois béni, sois glorifié. Merci pour ta parole qui illumine encore notre marche, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, qui nous réveille encore davantage, mon roi. Seigneur, Père Saint-Dieu, nous voulons vraiment être debout pour pouvoir te servir encore davantage. C'est le moment, Père Tubissant-Dieu, nous devons rendre témoignage à toi. Oh Dieu, dans cette ténèbre, bénémoine, Père Tubissant-Dieu, où le monde ne sait plus faire la différence, Père Tubissant-Dieu, entre les biens et les mal, mon bénémoine, Père Tubissant. Nous, en tant que ton Père, mon bénémoine, Père Tubissant-Dieu, nous sommes appelés à prendre position pour toi, pour montrer aux hommes que tu vis, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, mon roi. Tu es le Dieu qui conduit toutes choses, mon sauveur. La gloire et l'honneur te reviennent, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Merci de nous avoir vraiment aussi fortifié, Père. Nous te remettons toutes ces réunions à venir et c'est avec beaucoup de joie que nous viendrons, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et nous te remercions aussi d'avoir planifié cela, Père Saint-Dieu. Nous avoir donné aussi des moments ainsi où nous pouvons nous retrouver dans ta maison à toi, Père Dieu, avec tous nos frères qui sont en connexion, qui se préparent aussi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Prépare également aussi nos cœurs, nos âmes, mon Dieu, pour ta parole à toi, parce que tu n'as jamais manqué, n'as jamais failli. Tout ce que tu nous as dit est bien arrivé, bénémoine, Père Tubissant. Nous te sommes vraiment reconnaissants. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Tu es le Dieu très haut. Tu appelles les choses qui ne sont point comme si elles étaient, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous ne pas avoir l'amnésie spirituelle, bénémoine, Père Saint-Dieu, parce que le diable travaille sur l'amnésie, sur l'oubli, Seigneur. Nous ne voulons pas t'oublier, mon bénémoine, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas oublier ce que tu as fait pour nous, Père Saint-Dieu. Mais ce que tu es en train de pouvoir faire encore davantage, mon roi, et ce que tu feras, mon bénémoine, Seigneur. Nous sommes heureux. Père, nous importe les difficultés, Seigneur. Nous sommes vraiment très heureux, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, et heureux de pouvoir réellement être à toi, heureux de pouvoir souffrir, mon bénémoine, Père Tubissant, heureux de passer des moments difficiles, bénémoine, Père Tubissant, heureux parce que tu es notre Dieu. Sois béni, sois exalté, sois glorifié, Seigneur. Que ta parole soit gravée dans notre cœur, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous voulons la garder, Seigneur. Nous voulons obéir, nous voulons marcher avec toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous te remercions car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu notre Seigneur vous bénisse. Amen. Vous connaissez, jusqu'à la mort nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort tu seras notre roi. C'est vrai? Vous croyez vraiment? Amen. Que jusqu'à la mort, amen, rien ne pourra vous séparer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon précieux frère Zachi, viens. Merci. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi.
jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté, jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante au Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi, semble tout. Agneau de Dieu, qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourus pour nous, jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante au Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousses à l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante au Christ ressuscité. Mais au Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sur un chemin. Si tu ne vas accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenir par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante au Christ ressuscité. Mais ton esprit nous guide et nous anime, et que sa frappe embrasse tout mon cœur. Nous devenons par toi sainte victime sur la mort. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante au Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté.